Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment je fais une petite sauce tomate très rapide là. Voilà, à ma façon. Donc, pour en savoir plus, on y va. Ici, comme ingrédient, j'ai utilisé la viande de bœuf. Là, je vais renverser ma viande dans ma cocotte là. Puis j'avais oignon, tomate que j'avais assaisonné avec mon assaisonnement de viande à la veille là. Je vais rajouter aussi. Et ensuite rajouter la pâte d'ail au gingembre. Je vais rajouter du poivre blanc, du sel. Et on va laisser revenir ça quelques minutes, environ 5 minutes. Là, j'ai rajouté de l'eau et puis j'ai laissé cuire. J'ai laissé bien cuire. Maintenant, de côté, j'ai le poivron rouge, le piment doux rouge. J'ai aussi la tomate hachée, déjà hachée. Nous avons la tomate concentrée. Ici, la pâte d'ail au gingembre, du piment. Voilà, je vais mixer tous mes ingrédients que vous avez vus là. Je commence d'abord par les poivrons et piment doux. Je renverse ma tomate. Après avoir obtenu une texture bien lisse comme ça, je vais écraser l'oignon, pardon, mixer l'oignon et le piment de côté. J'ai pas quantifié, j'ai fait à vue d'œil comme ça. Maintenant, la préparation, vous voyez là, c'est pour deux différentes sauces. Donc, je vais utiliser juste la moitié pour ma petite sauce là. Ici, dans une casserole, je fais revenir mes oignons dans de l'huile. Je rajoute la tomate concentrée. La pâte d'ail au gingembre. Et puis on va laisser frire environ 2 à 3 minutes. Ah, c'est un bouillon d'assaisonnement en poudre fait maison, du sel, un peu de persil. Et je vais rajouter la moitié de ma mixture obtenue. On va laisser frire quelques temps. Je vais assaisonner encore avec poivre blanc, un peu de curry, curry, et puis poudre d'ail, en tout cas assaisonnement à votre choix. Vers la fin là, j'ai rajouté un peu de persil. Je rajoute encore de l'eau. On va laisser cuire. Je vais laisser bien cuire la tomate. Là, ça bouille environ 30 minutes. Je vais réduire mon feu puis renverser ma viande dans la pâte là. Ma manière de parler là, non, j'ai la paresse grave. Oh. Après avoir rajouté ma viande, je vais rajouter huile. Vous savez que moi, Raïssa et l'huile, ça fait un seul corps. Donc, chez vous, si vous n'aimez pas l'huile, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas l'huile, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Et là, à ce moment-là, on est fait pito, 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 pito. J'ai rajouté le piment sans bon là. Waouh! Là, je vais rajouter juste un peu de bicarbonate. Ça va casser un peu le goût de l'acidité de la tomate là. Là, voici les résultats de mon plat. Donc, les amis, si tu as aimé,
la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. On se dit à bye bye.